que Starmer est donné favori aux élections législatives pour être le prochain premier ministre britannique. L'ancien DPP, Maître Satyajit Boulel, qui a connu personnellement le leader du Labour Party, affirme qu'une amitié s'est liée au fil des années avec Keir Starmer, vu qu'ils ont collaboré sur différents dossiers entre nos deux pays depuis 2010. Ils étaient alors tous deux directeurs des poursuites publiques. Maître Satyajit Boulel affirme que Keir Starmer était impressionné par le respect de la démocratie à Maurice et aussi par le système judiciaire indépendant. Keir Starmer est également venu à Maurice pour le Rajasumerlala Annual Memorial Lecture en 2013. Maître Satyajit Boulel est au micro de Dushila Mansingh. Mon rencontre avec Keir Starmer remonte en 2010, à l'époque Kotmuti DPP, et Keir Starmer était aussi DPP en Angleterre avec Pays de Galles. Dans ce contexte-là, nous nous joignons au sein de l'International Association of Prosecutors et nous sommes tous les deux coordonnés le combat, la lutte contre la piraterie dans l'océan Indien. Et c'est par la suite quand nous développons une amitié qui me tient invité à Maurice. Et il vient faire une lecture sur les droits des victimes. Et à l'époque, il est venu de d'être impressionné par la marche démocratique de Maurice, il est impressionné par l'indépendance de nos systèmes de la justice. Il est aussi d'avis qu'avec la bonne image que Keir Starmer a gardée de Maurice, cela aidera à trouver un dialogue constructif sur le plan diplomatique entre les deux pays et aussi sur le dossier Chagos. Et pourquoi ça a bon l'image qu'il y en a de Maurice quand il est venu à l'époque-là, moi, bien dire, pour Edli, pourquoi c'est trouver un dialogue constructif avec Maurice, pas seulement sur le Chagos, mais sur beaucoup de, sur le plan international, diplomatique. Côte Maurice et la Grande-Bretagne, il y a beaucoup d'interactions, que ce soit économique ou ce soit politique, sociale, culturelle. Pensez que, je connais, je porte une attention sur le dossier Chagos, mais bien sûr, quand je deviens au pouvoir, c'est, il y a beaucoup d'enjeux géopolitiques, mais pas quoi nécessairement, pour démarquer de son prédécesseur, mais seulement il y a un bon souvenir de Maurice. Et je pense que ça peut aider un petit peu pour donner à Maurice une meilleure écoute lors d'un dossier sensible.